Comme j'ai dit aux joueurs, je suis satisfait de, bon, bien sûr, à la fois de ce que l'on a montré, à la fois techniquement, physiquement et tactiquement. Après, c'est surtout l'état d'esprit qui m'a plu, l'état d'esprit de vouloir gagner ce premier match. Alors, tout n'a pas été, notamment pendant 10 minutes en première mi-temps, on a un peu souffert. Tout n'a pas été réussi, mais c'est un match aussi de reprise, après énormément d'attentes. Et aujourd'hui, je suis très heureux de regagner déjà à domicile, d'être devant nos supporters. Puis l'effet de jeu, vous savez, des fois c'est pour vous, des fois c'est pour les équipes adverses. Donc aujourd'hui, on en a profité en essayant d'être le plus patient possible et essayer de gagner ce match. Il y avait quelque chose à mettre en place. Et les joueurs ont très bien réagi. Je pense qu'aussi ils ont été patients parce que malgré tout, le public par moment est impatient. Et ça fait partie du football. Et des fois, ça vous fait déjouer. Et ce soir, ils ont montré quand même de la maturité là-dedans. Donc, comme je leur ai dit, on avance avec de l'humilité, mais c'est bien de gagner son premier match à domicile. Il y avait des choses qui étaient très intéressantes jusqu'aux 20 ou 30 derniers mètres ou dans la dernière passe, dans la dernière frappe, dans le dernier centre. Ben, on manque encore un petit peu peut-être de lucidité ou de certains repères, voilà, donc il va falloir s'améliorer dans beaucoup de domaines, mais battre une belle équipe du Havre quand même ce soir, voilà, j'aurais signé avant le match pour que ça puisse se faire, et l'état d'esprit de tous mes joueurs et surtout aussi des rentrants, et de ce que... Alors bien sûr c'est un groupe qui se connaît, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais les joueurs qui sont arrivés... nous permettent ce soir de gagner, et donc c'est très important. C'est quelqu'un qui parle français, qui s'est très bien intégré au groupe, qui avait peut-être pas une heure et demie dans les jambes, parce que vous voyez que c'est quand même quelqu'un qui est fait de sprint, de vitesse, d'aller-retour, de petits appuis, de... Voilà, donc il faut lui laisser un petit peu le temps, mais quand il rentre comme ça et qu'il fait gagner le match, c'est aussi pour ça qu'on a été le chercher, mais ce n'est que le premier match, donc on va maintenant encore plus l'attendre. Et si on arrive à être performant comme ils l'ont été ce soir, ben c'est ce qu'on recherche. Et vous savez autant que moi que c'est aujourd'hui la continuité des résultats qui feront qui seront solides. Donc voilà, c'est ce qu'on a envie. Je crois que Gabi aussi est venu pour ça, et il est dans le même registre que les autres. Donc voilà, on avance, mais j'ai pas envie particulièrement de parler que de certains joueurs. Je pense que ce soir c'est très important de ce que j'ai vu. J'ai aussi vu un petit gamin qui a joué sur le côté gauche, c'était son premier match, qui sort du centre de formation, qui a fait une bonne préparation avec nous, on lui donne l'opportunité de jouer, il fait son match, il réussit pas tout, mais il nous a montré beaucoup de belles choses, et lui maintenant ça va être dur aussi pour lui de... à un moment donné, de répéter ces matchs-là. Donc voilà, c'est un état d'esprit de tout le monde et c'est surtout ça que je veux qu'on garde, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer, avec de l'humilité, parce que ce championnat est très dur et on va rencontrer une grosse équipe de Sochaux la semaine prochaine. Donc voilà, on va essayer d'avancer tranquillement, mais en travaillant beaucoup.